Alors le bonjour de Jean-Jacques, hein, je suis en Espagne et je vais vous montrer comme ça, si les gens ils roulent en bas, c'est pour vous montrer dans une grande avenue le comportement des gens, même des motos. Regardez comme ils roulent, vous voyez. C'est sûr que la signalisation ça n'a rien à voir avec la France, hein, mais regardez les gens, il n'y a personne qui klaxonne derrière quelqu'un d'autre. Même le mec en moto, regardez-le. À la vitesse qu'il roule. Pourquoi? Parce que de partout, il y a marqué 30 km/h. Et quand il y a quelqu'un, ben tout le monde est sérieux, quoi. Tout le monde est sérieux. Tout le monde roule. Voilà, regardez le mec avec la moto. Regardez. Bon, c'est vrai que là, d'un seul coup, je comprends pas pourquoi ça roule pas. Mais voilà, par exemple, voilà la vitesse qu'on roule en Espagne, vous voyez. Voilà. Chacun roule loin de l'autre. Regardez la vitesse à laquelle les gens roulent. Personne ne colocule l'un de l'autre. Regardez. Regardez comme ils roulent doucement. Hop, il s'arrête pour le piéton et lui, regardez comme il roule. Hop. Personne ne fait de conneries, quoi. Personne n'a fait de conneries. Voilà, lui c'est le taxi, peut-être qu'il pense qu'il va venir se garer là. Alors, emplacement bien délimité. Regardez, le mec en moto, il reste loin de la... Vous voyez, même pas l'accélère comme un con, comme chez nous. Je sais pas ce qu'ils ont. Voilà. Si lui, il fait un peu le con avec son truc. D'ailleurs, là, tu lui as rappelé à l'ordre, par un coup de klaxon. Voilà comment... Voilà le système. Voilà. C'est tout là pour vous montrer. Lui avec sa grosse moto de sport, regardez comme il roule. Faire le con, franchement, vous croyez qu'ils roulent comme ça les Français? Dites-moi la vérité. Regardez, chacun, personne ne colocule l'un de l'autre. Chacun garde une distance de sécurité. Regardez, vous voyez la différence? Je n'en mens pas. Hein. Même quand ça freine, l'autre il freine pour quand même garder une distance. Pour pas se coller au cul. Bon, là, ça s'arrête parce qu'il y a des piétons un peu plus loin. Regardez, par exemple, des voitures qui arrivent. Bon, là, la petite mémé, elle traverse. Voilà, les gens s'arrêtent. Voilà. Personne ne colle au cul, comme en France. Personne. Et après, regardez, lui, avec sa grosse BM noire. Voilà, pouf, il freine, hein, s'il y a des piétons. Personne ne roule comme chez nous, quoi. Chez nous, vous êtes à la grande motte, ben, vous allez entendre que des voitures passer fort, des motos passer fort. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ont nos gens, nos nationaux. Pourquoi le français a un comportement pourri, je peux pas vous l'expliquer. C'est des latins, hein, c'est... Ouais. D'autres, ils arrivent là-bas. Ils se collent pas au cul. Hein. Ouais, il va freiner. Ici, les piétons, ils sont rois. Hein. En Espagne, c'est tranquille, tranquille. Hein. Regardez. Aucune voiture qui veut faire du vroom vroom, coller au cul l'un de l'autre. Hein.
sais pas ce qu'ont comme comportement nos compatriotes français. Alors, regardez le mec avec la moto. Tranquille. Voilà, ils sont prêts à s'arrêter pour un piéton. Enfin, je sais pas. Voilà, pourtant lui, là, il s'est fait une voiture un peu tuning ou quoi. Ben voilà, il arrive tranquille. Je pense pas qu'il va démarrer sur le chapeau de roue. Hein. Voilà, regardez. Je vous le montrer, regardez comme il roule. Hein. Et l'autre, il ne colle pas au cul non plus. Regardez. Regardez comment roulent les gens. Alors, si vous êtes un Français, vous voyez ça, vous dites, mais Jean-Jacques, il a fait venir quoi, la police hein, pour... Ben non. Voilà. Mec en moto, regardez. Chez nous, c'est il double le pied en l'air pour dire merci. Vous voyez. Bon, il faut dire que c'est un autre cadre de vie. Hein. Tout est fait pour vivre bien, quoi. Même là, bon, ils font un peu les... Mais malgré tout, voilà, quoi. Tout le monde roule tranquillement. Allez, sur ce, bonne continuation.